Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, dissolution du parti PASTEF, la voie de réhabilitation après la dissolution de son parti PASTEF par le président Macky Sall, Ousmane Sonko a deux voies pour revenir dans le zoopolitique. La première possibilité, c'est d'attaquer le décret de dissolution de son parti devant la chambre administrative de la Cour suprême. Là, s'il obtient gain de cause, le décret sera sans doute annulé. Et la décision de justice s'impose à tous. Si la Cour suprême leur donne raison, le parti PASTEF va revenir dans l'arène politique. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, parce qu'on a vu le parti PAI qui avait été dissous après les événements de Saint-Louis par le président Mamadou Dia le 1er août 1960 être réhabilité. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le président Senghor a pris la loi d'amnistie, la loi autorisant les quatre courants de pensée, et le parti PAI qui était dans la clandestinité est revenu à la vie politique. Soutient Ababacar Fall sur RFM. La deuxième possibilité dépend de la volonté du président qui, dans le cadre d'une éventuelle décrispation de l'atmosphère politique, prend la décision de réhabiliter le PASTEF. Pour toujours, Biram Souley Diop, Sonko est le candidat unique de PASTEF. La prochaine élection présidentielle de 2024 a figuré parmi les points de l'intervention de Biram Souley Diop, à côté de l'emprisonnement de Ousmane Sonko et de la grève de faim que ce dernier observe. Le président du groupe parlementaire de Yewi reste convaincu que la candidature de Ousmane Sonko, malgré la dissolution de son parti PASTEF, Ousmane Sonko est et restera le candidat unique du parti PASTEF et de la coalition qui s'organisera autour, déclare Biram Souley Diop lors de la conférence de presse de leur coalition. Pour toujours, Aïssata Tall Sall sur la libération de Sonko, la responsable de la diplomatie et des ressortissants sénégalais hors frontières, Maître Aïssata Tall Sall a déclaré que la situation d'Ousmane Sonko en jeûne pour contester sa détention et du rapport judiciaire. Elle a communiqué ce point de vue pendant un déplacement professionnel en Allemagne. Les revendications demandant la libération d'Ousmane Sonko provenant de figures éminentes de la société civile et des leaders politiques de l'opposition ont trouvé une résonance internationale transcendante les frontières du Sénégal dans le cadre d'une conférence de presse tenue en Allemagne. Pour toujours, Madjombal à Sonko, si jamais tu dis la vérité, arrête ta grève de la faim. Il serait difficile de croire à la grève de la faim que tu aurais entamée selon tes proches depuis la fin du mois de juillet 2023. On veut bien te croire, mais on est fondé à douter de toi, non pas parce qu'on t'aurait vu manger ou qu'on ait une information contraire à ce que les tiens affirment, mais on en doute parce que tu nous as habitués à des mensonges sur ta situation. N'est-ce pas toi qui affirmais souffrir d'un coriace mal de dos qui te poursuit depuis ta tendre naissance et que ta maman soignait avec de la graisse de boa, ce qui te poussait à aller le soigner à Suite Beauté entre les mains expertes de Agissar, parce que député de ton état, ancien inspecteur des impôts de profession, leader d'une partie politique de toute l'histoire politique du Sénégal, a eu le plus à lever des contributions financières de ses souteneurs. Ce mal de dos a disparu comme par enchantement. N'est-ce pas toi qui clamais devant les caméras du monde ne souffrir de qu'une pathologie et que tout ce qui t'arriverait serait du fait du régime de Macky Sall? Pour toujours, Serigne Mountaha envoie des dates à Ousmane Sonko et lui demande d'arrêter sa grève de la faim. Le califa des mourides, Serigne Mountaha Mbake, a demandé à Ousmane Sonko de mettre un terme à sa grève de la faim ce mardi lors de sa rencontre avec la conférence des leaders de la coalition Yewi Askanoui. Le califa général des Mourides, Serigne Mountaha Mbake, qui recevait la conférence des leaders de Yewi Askanoui ce mardi à Touba, a envoyé des dates à Ousmane Sonko et lui demande d'arrêter sa grève de la faim. Pour toujours, Khalifa Sall et Karim Wade recouvrent leurs droits civiques. Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade recouvrent officiellement leurs droits civiques. Ils peuvent désormais participer à la présidentielle de 2024. La modification du code électoral actée par les députés à l'Assemblée nationale donne la possibilité à Khalifa Sall, leader de Tahaou Sénégal, et à Karim Wade, fils de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, de revenir sur la scène politique pour briguer le suffrage des Sénégalais. Ainsi, la réintégration définitive de Khalifa Sall et de Karim Wade a été officialisée par le journal officiel. Les ajustements apportés au code électoral pourrait
avoir des répercussions majeures sur le paysage politique du pays. Il est à souligner que cette révision a été largement débattue et examinée avant d'être adoptée. Pour toujours, pour la reprise des enseignements à l'ICAD, le SAES émet des exigences. La coordination du syndicat autonome pour l'enseignement supérieur du campus de Dakar s'est réunie le vendredi dernier pour discuter de la situation préoccupante du campus suite à la transition vers l'enseignement à distance. Cette décision a été motivée par les actes violents survenus le 1er juin 2023. La coordination SAES du campus de Dakar exprime sa consternation face à cette agression injustifiable à l'UQAD. Elle condamne vigoureusement ces actes et appelle les autorités à prendre des mesures fermes contre les responsables. Pour toujours, essai du BRT, 150 bus attendus avec une capacité de transport de 300 000 personnes par jour dans une démarche visant à remodeler le paysage urbain de Dakar et à résoudre sa perte annuelle de 900 milliards de francs CFA due au problème de transport. Le Conseil des transports urbains et suburbains de Dakar a démarré ce mardi 22 août les essais du BRT en perspective de l'exploitation commerciale. Pour toujours, fièvre de chikungunya, la maladie prend de l'ampleur à Kédougou. La région de Kédougou a franchi la barre des 100 cas positifs de chikungunya depuis l'apparition des premiers cas de cette maladie sur son territoire au début du mois d'août, a indiqué l'APS, le responsable du service régional de l'éducation et de l'information pour la santé, Ismaël Ndiaye. Pour toujours, l'Union africaine suspend le Niger de ses institutions. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de suspendre la participation de la République du Niger à toutes les activités de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, rapporte l'APS. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a, lors de sa 1168e réunion, décidé de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays, indique un communiqué de l'organisme publié à l'issue de cette rencontre sur le site de l'Union africaine. Pour toujours, libération de Bazoum, Laurent Gbagbo donne la recette. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo refute l'option de l'intervention militaire au Niger adoptée par la CEDEAO. Pour lui, réinstaller Bazoum Mani Militari est un prétexte face à de grosses entrées de grandes puissances. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré et qu'un chef d'état de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille, et comme cela on aura vidé la partie émotionnelle, a-t-il déclaré ce mardi 22 août 2023 lors d'une conférence de presse à Abidjan. Pour toujours, coup d'état au Niger, flou autour de la posture de Mamadou Issoufou, l'ancien dirigeant qui a précédé Mohamed Bazoum est au centre de vives controverses pour son manque de manifeste de réaction tranchée face au coup d'état au Niger mené par Abdourahmane Tiani. Nombreux sont les analystes et les observateurs politiques qui émettent l'hypothèse qu'il aurait délibérément laissé carte blanche à Abdourahmane Tiani, qu'il avait lui-même désigné comme chef suprême de la garde présidentielle, permettant ainsi des mains d'œuvre non supervisées. Pour toujours, AFC Champion League, Al Nassr de Sadio Mané s'arrache contre le Shabab Al Ahli et se qualifie pour la phase des poules. Al Nassr a failli vivre une énorme désillusion. Longtemps menée par le Shabab Al Ahli, Sadio Mané et ses partenaires ont arraché la victoire 4-2 dans les dernières minutes pour se qualifier pour la phase de groupe de l'AFC Champions League. Tafa Actu, le 23 août 2023, aucun d'entre nous n'est plus intelligent que l'ensemble d'entre nous. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.